Le manque d'approvisionnement en carburant dans la partie centrale du pays provoque une crise économique au Grand Kasaï. Voulant palper du doigt la réalité pour des solutions idoines, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou-Toubouanga, a effectué un périple à l'intérieur du pays pour s'entretenir avec les acteurs principaux qui composent la chaîne d'acheminement de l'or noir par voie ferroviaire vers cette partie du pays. À Lubumbashi, première étape de sa tournée, Didier Boudimbou a échangé avec le directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Congo et le ministre provincial des hydrocarbures autour de problèmes liés au bon fonctionnement optimal de la ligne de la SNCC qui relie Lubumbashi à Ilebo au Kasaï. À Mbujimayi, tout comme à Kananga, Didier Boudimbou, à la tête d'une forte délégation composée des opérateurs pétroliers de la DGDA et l'OCC, a eu une séance de travail avec les autorités provinciales et les opérateurs économiques sur les difficultés liées au transport pour desservir ces provinces. Nous sommes venus pour écouter les vrais problèmes et trouver des solutions. Donc là, nous avons reçu le mémo de la FEC. Il y a eu quelques préoccupations qu'on va gérer avec l'OCC, même aussi au niveau du ministère et tout. Dans les jours à venir, il y aura des retombées par rapport à tout ce qu'on a eu comme rapport. Partout où il est passé, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, a été accueilli par une forte population et le membre de son parti politique, Autre Vision du Congo, avec un sentiment patriotique.